Hey, salut à tous les amis, c'est Lou 5100 et on se retrouve pour un nouveau let's play de Metro Last Light Redux. Et ce coup-ci, le chapitre va être consacré à Pavel. J'ai vraiment pas eu de chance dernièrement. J'ai réussi à me faire prendre par les fachos et j'ai raté le recrutement d'un ranger, qui a d'ailleurs fait me tuer. Ça s'enchaîne. Ceci dit, j'ai accompli ma mission à Venise, où je me suis encore fait prendre. Je vieillis ou quoi? Je me demande où je suis et dans combien de temps j'atteindrai la ligne rouge. Avec nous, pourriture communiste. Si ça tenait qu'à moi, je t'étriperais ici et maintenant. Mais le boss a une sérieuse dent contre les cocos. Et quand le boss demande un truc, on fait en sorte que ça soit fait. Tu comprends? Tu vois où on est? Dans une putain de centrale électrique. Alors je vais te faire une injection, et tu vas faire tourner le générateur jusqu'à ce que tu tombes. Voilà mon gars, ça c'est cadeau. Bon, du coup, pas d'armes. Une balle, oh trop généreux. Il y a un coffre dans le coin. Peut-être dans la pièce d'après. Non, juste là. Yes. Un couteau. Allez, vieux. Karl va vraiment buter. Comment il s'appelle déjà? Non, il est pas fou. Karl veut juste s'assurer que le bleu on a dans le ventre. Le flingue, il est pas chargé. Ah, je comprends mieux. Dans ce coin.
Voilà, loose. Et super loose. Il est mort! Merde! C'était un type bien! Je l'ai eu! Tu m'as pas eu, tu m'as pas eu. Plus de balles. Et tout le monde dans le noir. Ouais, on a trois armes. Maintenant, on va essayer de trouver le coffre. Et des munitions, ça serait bien. Planque-cou, ce putain de coffre. J'aurais bien vu dans le coin, moi. De pompe. J'ai une tenue comme eux. C'est plutôt réconfortant d'avoir un guide comme Pavel, on dirait qu'il connaît cet endroit. Chelou. C'était les notes du jeu principal. Bizarre. Qui a éteint la lumière? Je vais te couper les mains, espèce d'enfoiré. Hé, hey, tu vas là. Voilà, mon gars.
J'espère que la douche était bonne. Une trousse de soins, yes. Ça c'est good. Allez, t'as des chiottes. Toujours pas de coffre-fort. Ah, des mines, des mines. Bon, bah le coffre, je sais pas où il est, hein. Et merde, c'est fermé. Oh merde. Là-haut. Enfin. Il est pas mort, il est pas mort. Encerclez le coco! Ah, ça coco! J'ai eu! Les petits grillages là-haut, je pourrais pas les avoir. Encore une clé de coffre, mais putain! Ah, ce bouton rouge, il sert à rien! Servait à quoi de venir là? Dernière mine, quoi. Fermé, fermé. Il y a des clés rouges de partout. Des clés rouges, j'arrête pas d'en trouver. Par contre, les coffres... Zoubizoubé, hein.
sympa. Bonne ambiance. Putain. Je dois aller où, moi? Cadavres de partout, quoi. Quelque chose. Oui. Je croyais que c'était un cul-de-sac. Merde. Piège à la con, quoi. On est revenu au départ. C'est pas possible, c'est quoi ce bins? On dirait qu'il y a... De quoi? La porte elle est ouverte maintenant? Non. Merde, faut que j'aille vérifier. Tu parles d'une corvée. Quelqu'un? Où est-ce qu'il... Il y aurait que quelque chose cloche. Mais, qu'est-ce que c'était ça? Ben viens ouvrir la porte et tu le sauras. Imaginez. C'est quoi ce délire? Pourquoi nous envoyer là-dessous? Ah, autant pour moi. Il est mort. On reste calme, les gars. Descendez-en le plus possible. On est fichus de toute façon. Thank you.
toi. Avec les champions. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, je l'ai tiré en tirant là-dessus, il a cru qu'il avait une touche. Dommage, hein. On faisait presque le niveau sans déclencher l'alarme. Mais arrête de mettre des coups de couteau au-dessus de sa tête. Bon, je suppose que la sortie c'est par là. Je serais bien allé faire un tour en haut aussi, j'ai vu que je pouvais grimper, qu'il y avait des escaliers.
Jette un œil, hein, des fois que je tombe sur un coffre par hasard. Tout ça pour Cadal. Apparemment. Ah, s'il bouffait des radiations. Ah, déjà. Encore une clé, mais il y a combien de coffres ici? Senti en passant là. C'est la seule porte ouverte. Dirais bien. Je vérifie quand même au cas où. C'est quoi ce délire? Je suis piégé? Wow! C'est quoi ce Toulouse? Oh, le coffre! C'est la panique, hein. Oh merde. Oh.
Ouais, c'est la panique. Oh putain, merde. Il est là. Je suis touché. Excuse mec, t'aurais pas vu notre batteur? Les gars l'ont appelé il y a quelques minutes. Il a vu personne. À toi. C'est vraiment génial. Arrête un peu, on est en pause. Dehors, on a affaire. Un verre.
en fait, j'ai demandé un verre, j'ai payé. Que moi, je bois. Merci. Ils ont descendu tous les bandits autour de Riga. Tous les bandits ? Merde. Est-ce que quelqu'un a besoin de grenades ici ? Seul à avoir survécu. Le seul. Tu peux avoir la même chose pour ça se rebrancher au coin de la rue. Ils sont sacrément puissantes. Je les ai testés moi-même. Qui c'était, les Rangers ? Sûrement pas. On pourrait pas s'empêcher de s'en vanter. Et on n'a rien à faire. Surtout, revenez quand vous voulez. Vous serez toujours le bienvenu. Sont arrivés là-bas. Votre futur sera clair comme de l'eau de roche. Regarde dans la boule. Je vois le passé et le futur. Je vois un long chemin. Je vois tout. Un vent violent. Je vois une maison tourmentée et une grande tristesse. Je vois des tuyaux de cuivre et des eaux troublantes. Un ami inattendu et des nuages noirs. Qu'est-ce que c'est ? Comment ? Ça n'avait jamais. Oh, Dieu du ciel ! Tu dois partir ! Partir vite ! Un sombre destin. Et voilà. Pavel Igorevitch, vous me reconnaissez? C'est moi, Yannick. Chut, tu vas crier ta couverture. Évidemment, je t'ai reconnu dès que je suis entré. Bon, fais-moi un rapport sur la situation, mais discrètement. L'opération d'infiltration progresse sans encombre. Tout se passe comme vous l'aviez dit. On ne me voit pas, mais je vois tout. Bon travail, continue. Vous allez à la ligne rouge? Des hommes à nous sont sur la plateforme avec une drésine. Ils peuvent vous emmener. Génial. Ça tombe plutôt bien. Bien, bon vent. À une prochaine fois. Oh, une dernière chose, Pavel Igorevitch. N'allez pas voir le striptease, c'est de l'arnaque. Attention à toutes les personnes. Je répète.